Ami Balance, bonjour. Je suis un peu en retard pour la fin du mois de janvier. Pourquoi je me projette déjà en juillet? Enfin, d'accord. Gisèle, t'as besoin de soleil, mais d'accord, quoi. Allez, Balance, fin janvier 2022. On va voir avec les runes quelle est l'énergie principale qui domine cette fin de mois de janvier. Voilà. Allez, pour mes amis Balance, quel est le message? Quelle est l'énergie principale? Je vais en prendre qu'une. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre celle du milieu. Comme ça, pas de jaloux. Alors, nous avons Guébo. Guébo, en forme de croix. Alors, signification concrète, réussite, union, bonheur, obligation. La traduction de Guébo, c'est le don. Et au niveau spirituel, on nous parle d'équilibre intérieur et de karma. Donc, je vais le mettre là, à côté. Il vous promet réussite, hein. Nous allons voir les cartes. Je les ai tirées avant, sinon ça me prend des plombes. Alors, on commence avec le 5 de bâton, le 5 de bâton qui nous parle de signature autour d'un contrat de travail. Ici, on nous dit qu'il y a des interférences, il y a des petits pépins au niveau de ce contrat. Ce contrat pourrait vous apporter la stabilité souhaitée, hein, pour vos finances. Alors, ce contrat, peut-être vous allez le signer avec des amis, puisqu'ici on a la carte de la tempérance. La tempérance nous parle aussi d'amitié, de petits déplacements avec les amis. Peut-être allez-vous, va-t-on vous proposer un travail au niveau de vos amitiés? Et on vous dit que ça vous ferait du bien à votre portefeuille, hein, puisque ici, on vous dit que ça vous permettrait d'avoir une vie de famille heureuse et de pouvoir enfin commencer à faire des projets à long terme. Alors ici, on a quand même le 10 de bâton qui nous parle de fin de cycle, hein, qui nous dit aussi que la vie est déséquilibrée et il y a des soucis de santé liés au stress. Voilà, ben oui, vous avez absolument besoin de cette stabilité et vous avez besoin d'un contrat de travail. Quoi qu'il en soit, je pense que vous allez signer ce contrat puisqu'ici, on nous parle d'amitié et de réunion, hein. Et quoi qu'il en soit, vous arrivez quand même, vu qu'on a la carte de la stabilité et du contrat, vous arrivez à la fin de cette fatigue et de ce stress avec le 10, parce qu'il représente la fatigue et le stress, le 10 de bâton. Et tout de suite après, nous avons la carte de la célébration. Donc ici, on nous parle de mariage, de cérémonie, de diplôme ou de simple réunion. Apparemment, vous avez quelque chose à fêter. Ça serait la signature de votre contrat de travail. Alors, quoi dire de plus? Je crois que ça a été clair et net à ce niveau-là, au niveau pratique général. Un nouveau boulot qui va commencer. Vous allez signer ce contrat et vous allez faire la fiesta. Alors, on va voir au niveau sentimental maintenant. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, hop. Pour mes amis Balance, fin janvier. Fin janvier. Regardez, on a la carte de la famille qui est venue se présenter tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là? Ben, vous vous projetez dans l'avenir, enfin. Et là, on a un retour de bâton en espérant qu'il soit bon. Alors, on va voir, hein, pour vous, à faire un petit, regardez, un compromis, une négociation au niveau familial. Bon, je vais les avancer. Au niveau sentimental, là, on nous parle de famille, on nous parle de négociation et on se projette dans l'avenir. Voilà, projection au niveau de la famille et de ce compromis en tout cas qui vous apporterait, puisque la carte centrale, c'est, regardez, retour de bâton au niveau sexuel là, hein.
Alors, au niveau de ce tableau, déjà, on a la tranquillité en carte centrale et on va aller retirer trois autres cartes et on va voir ce qu'on nous dit pour vous, amis Balance. Alors, négociation, compromis. Hop là, ici nous avons, oh ben, on en a beaucoup là. Hein. Hop, il y en a une qui a volé vachement loin. Je me demande s'il n'y en a pas une qui est tombée. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a le retour d'une personne hein, du passé. Peut-être est-ce un membre de votre famille. Regardez. Amour, projection, tranquillité et amour. Et retour d'une personne du passé. Peut-être une femme hein, que vous avez aimée. Ici, retour de bâton, ben, c'est la sexualité au niveau de vous, mesdames, ou de vous, messieurs. Vous la mettez à votre sauce. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et c'est peut-être un membre de votre famille. Alors, au niveau sentimental, pour cette fin de mois de janvier, on vous dit que vous êtes tranquille, vous vous projetez dans l'avenir, c'est l'amour, c'est le bonheur. Mais il y a un retour de manivelle là, c'est karmique, hein. On nous parle de sexualité à propos d'une femme. Bon, j'espère que c'est positif pour vous, puisque on a déjà l'amour, donc c'est un beau retour de karma. Voilà, bon, ben, je sais pas la peine de s'éterniser des heures. Je vois ici que ben, carte centrale et carte de réponse, vous avez la tranquillité, vous avez l'amour, vous avez négocié apparemment le retour d'un membre de votre famille. Et au niveau sexuel, ben, c'est peut-être ce que vous attendiez, hein, que les choses s'améliorent à ce niveau-là avec votre dame ou si c'est vous, messieurs, qui regardez. Ou mesdames, si voilà, si ça vous concerne, ici en tout cas, ben, j'en ai des cartes qui sont retournées encore ici. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a? Elles étaient retournées. Alors, protection au niveau d'une nouvelle rencontre, peut-être pour les célibataires. On nous parle ici d'instabilité par rapport à cette nouvelle rencontre. Ici, on nous parle de personnes qui étaient déjà en couple et celle-là, je ne l'avais même pas vue. Elles étaient retournées dans le tas. Donc, je vais vérifier. Donc, pour nos amis célibataires, vous angoissez à l'idée de rencontrer une nouvelle personne. Ben, ça vous rend un petit peu instable, mais on vous dit que cette nouvelle rencontre est protégée et il y a possibilité que ça devienne un projet commun et apparemment à longue durée, hein, puisque si c'est un projet que vous avez avec cette nouvelle personne, eh ben, il n'y a plus de raison d'avoir de l'instabilité. Donc on va regarder. Je viens recouvrir l'instabilité pour vous donner une réponse et voilà. Pour mes amis célibataires, nouvelle rencontre, cadeau de la vie, protection et nouveau projet. Voilà, je vous laisse amis Balance, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.